sur MoscaiTo.no, Maniac, ici Sky Redemption. On y va pour l'épisode 31 de Cyberpunk. Dans cet épisode, on va se faire un 5-6 contrat. Et c'est déjà parti. On va aller attaquer les Aldecaldos, je pense. Puis, son coriace. Bon, là, ça, j'étudie juste. Je crois que je vais essayer de pirater peut-être pour baisser leur rank un peu. Je sais pas si ça va donner quelque chose. Mémoire, tampon. Bon, on va tenter de faire le hack, first of all. Ensuite, on verra. Ça va déjà pas bien. Ok, on va commencer par ça. Quand que je dis que c'est pas moi le meilleur des hacks, c'est ça que ça donne. Bon, on a eu 2 sur 3, c'est quand même pas mal. Bon, là, on va pouvoir passer à l'action avec mon bon vieux sniper. Celui qui ressemble à John, Freddie Mercury. Hein. Headshot, man. Ben, ça a l'air que c'est pas ça qui va le tuer. On va les tirer plus de loin. Hey, connard! Ils sont vraiment coriaces, par exemple. Finalement, c'est le temps qu'ils tombent. Le temps d'une petite recharge et on repasse à l'action. Hey, toi, là. Oh, un coup critique. Bye bye! Another one and get down. Là, on va s'avancer un peu plus. On a éliminé ceux-là qui sont à tout près. Ben, pas qu'on parle. Yeah. C'est un dernier coup. Là. Carlos est sur le côté. Aucune idée que c'est qui fait la tête, là, mais. Je vais faire un camp pour rester éliminé juste comme ça. Là. Madre! Pas c'est trop facile. Je vais chialer, man. C'est terminé pour lui aussi. On a déjà 3-4 éliminés. Ça va très bien. J'adore cette petite musique d'ambiance. Donc, je vais étudier un peu. Je sais ce qu'on sent dans l'intérieur. Mais je sais qu'il reste encore des Aldecaldos. Des Valentinos. Whatever. Ils vont se faire éliminer pareil. Pense à ça, les Aldecaldos, c'est nos alliés. C'est plutôt les Valentinos. Un petit remontant. Je suis juste là, nowhere là-bas. Je vais rester là, c'est correct. C'est le temps qu'elle tombe, là. Il y en a qui sont plus curieuses que d'autres. Dans cette mission, c'est un fourgon qu'il faut qu'on vole. On va juste avancer un peu. Je sais qu'il y en a encore si on est encore en zone rouge. Puis je parle pas du COVID. Oh shit! Ouais! Approche! Je comprends pas ce que tu dis, c'est que. Oh my god! À elle toute seule, elle manquait de nous avoir là! Je pense que je vais ressacrer mon camp. Je sais qu'elle est là, mais. Non. Ouais, non. on va prendre un petit peu de recul. Je pense que ça va être mieux pour nous. Bon. Là, on va les avoir. Là, c'est parti. Va t'avoir. Un dernier coup. Bye bye. Là, je crois qu'on va pouvoir aller à l'intérieur sans se faire déranger. Juste prendre le fourgon pour sacrer finalement notre candidat. Et toucher
Massacre que t'es touché, man. Si je te trouve, je termine le travail. Je vais voir ce c'est qu'il y a sur l'ordinateur. En tout cas, il y aurait des informations importantes, je pense pas. Putain de bichu. Bon, ben là, je m'en vais chercher le fourgon et je charge mon canada. Là. Mise à jour de la mission. Montée dans le SUV. Il nous reste juste à faire la livraison. La mission n'a pas été si compliquée que ça au final. Tant mieux. Même si que je mets toujours les Alicaldos et les Valentinos. L'important, c'est que la mission va être réussie. Parce que là, rendu à la livraison du véhicule, plus vraiment de danger. Faut juste pas se scraper avant de se rendre là-bas, par exemple. On n'est pas si loin que ça. 175 mètres. J'espère qu'il va être content de la livraison. C'était un SUV de Militech. Si je ne me trompe pas, encore une fois. Ah oui, t'sais, j'arrive là, je botte le coin de la bâtisse. Et je crois que c'était pour Dino. Ça ressemble à lui. C'est moi. Pourquoi il vous faut ce camion? J'adore ce style corpo. Attends, t'es sérieux? Qui c'est qui garde la frontière? Bah, c'est Militech. Eh ben voilà, je te laisse réfléchir. C'est un camion de Militech. Bon, on fait la petite avec ma famille, normale. On faisait nos affaires sur notre territoire. Tu crois qu'on le sait pas? Ils nous ont pas laissé le choix. D'abord, on est venu voir la marchandise. Okay. Et après, l'échange, lui, il devait avoir lieu le lendemain. Mais ça sent pas bon. Ils nous ont suivis jusqu'à l'endroit où on planquait notre fric. Enfin, bref, j'ai pas envie d'en parler. Ok, ils ont tout pris. Merci pour le coup de main. Je file. Merci à Marino, mais c'est pas Dino. Faut juste rester là comme un cap, man. Le Seigneur donne et reprend. C'est ça le nom de ce petit contrat. Tu vas-tu t'en aller? Non, tu vas juste attendre que moi je m'en aille. Ok. Bah, c'est ça qui attend. Le Seigneur donne et reprend. Mission terminée. C'était pour le Padre. Je savais que je pouvais compter sur toi. Les nomades sont reconnaissants pour ton aide. Contrat clôturé. Un autre contrat clôturé avec succès. Bon, ici, on a des petites informations à aller chercher. Dans un bar, les danseuses. On paye à l'entrée. Ok, tu vas te calmer, man. 100 piastres. Pas de soucis, tiens. On touche uniquement avec les yeux. Si je vois tes mains se balader où il faut pas, je te les fais bouffer. Pigé? Éclate-toi bien. Pigé. 18 ans et plus. Hey, monte ton petit cul à tonton Carlos. Monte ton petit cul à tonton Carlos. Wow. Je vais essayer de faire la choc comme qu'on avait fait d'un contrat précédent. Effacer sa mémoire, ça va nous donner le temps de passer. Sinon, ben, that's it, on élimine tout le monde. Tasse-toi donc, connard. Tirez pas ta tête, connard. Bon, je vais désactiver ça. Oh non, on oublie la discrétion. Je vais te massacrer. J'ai tellement peur, man. Je vais te défoncer, Choum.
Pow! Headshot! Il a pris 3 headshots pour la tirer à terre, celle-là, le con, t'es vraiment solide, hein? Les hosties de caméra! Ah, tu meurs pas si tu restes loin de moi, mais... Oh shit! Oui, un tir montant! Donc, ils sont en train de la madre! Je pensais pas que j'étais bas en énergie comme ça. J'avais pas fait attention. C'était le temps qui crève et tout, hein. Ok, relax, man. D'une manière ou d'une autre, tu vas crever. Ok. Ah, moi, la musique d'un truc par commencer. C'est pas ça qui va empêcher les Gilly-Gilly de faire leur show. T'as mis quoi à sa place, man? Getting down, c'était pas ça! Tu peux aller! Oh! Oh non, je l'avais eu. La balle a passé au travers de lui et tué l'autre à l'arrière. On aurait dû avoir un trophée pour ça. C'est quoi qui était vraiment cool à réaliser. On va voler des informations. Ensuite, on va juste foutre le camp de là, même si on restera une coupe de vivant. On va avoir eu de la chance. La meilleure partie de la vie! Je suis sûr qu'on a les informations. Je vais te défoncer, connard! L'imitation de Freddie Mercury avec la moustache pis tout. Tiens, je t'avais dit que t'aurais dû rester loin, man. Tu sais, quand ça veut pas écouter, c'est ça qui se passe. Oh oh! Un tir sur le vif. Un petit montant. Il arrive d'autres choses comme ça. On a notre lame en main. On va le décapiter. Faut juste que je sorte d'ici. J'ai flairé ta piste, Mina. Tu dis j'ai flairé ta piste ou j'ai flairé ta piste? Ça se pose la question. Ok, je peux pas passer par là. C'est là, j'ai tout réussi. C'est juste de sacrer mon camp, puis je peux pas. Je suis le Chupacabra! What the hell? Finalement, la sortie. On a un appel de Sébastien. J'ai reçu les fichiers de Dicky Twister. Je m'en réjouis. C'est encore pour le padre, cette fameuse petite contrat. Et des honoraires ont été versés. Amen. Amen. Contrat suivant. Ami de longue date. Je crois encore que c'est pour le padre. Parti jusqu'à présent, on fait toutes ces missions? Bon, ben. ¿Por qué chingados metes las pinches narices donde no te llaman? What? Ah, il est là, notre fameux... Notre fameux cible! Il s'en sortira pas. On est le meilleur dans notre domaine, fait que... Ça donne bien, hein? Oh shit, j'aurais pas dû faire le coup de circuit, c'est le faire. Ok, alors on va juste se débarrasser de tout le monde, là. J'ai sorti juste pour prendre mon souffle. Bon ben, on passe à l'attaque. On va faire du chinois. Oh 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 oh, il en a perdu la tête. Hey you man, tu
fait jouer au fou de même longtemps. Oh shit! T'as su que ça va être l'humain. Ah, il t'a foutu le feu! Il faut derrière. Mais là, c'est assez, là. On va montrer nos talents de sniper. Headshot. Headshot. Il y en a deux autres. Te lo mereces, cabrón. Tiens, un autre de partie. Un tir montant. Headshot. Pas vraiment le moment de manquer de balles, par exemple. Headshot. Y'en a-tu d'autres? Ah ouais, y'en a un autre là. Ah, il est tough. Même après avoir perdu un bras. Hein. Bon ben, on va aller récolter le cadavre. On prend le petit éclat avant. Et où, man? Haha, il est là! En même temps, on va prendre la petite éclat qu'il y a. Puis, il nous reste juste à le ramasser et aller le tirer dans le coffre d'une voiture. C'était pas compliqué comme contrat, mais... ça fait partie de la game! Puis, on a le temps de fouiller en même temps parce que... ils sont tous morts. La voiture nous attend juste là. Contrat ami de longue date. Ça va compléter le contrat. Bonjour, V. Il y a un homme qui doit faire face à la justice. Ouais. C'est une affaire personnelle. Je te paierai en bonus. Ah, ça, c'est une autre mission. Plus d'infos jointes. Je compte sur toi, Faye. J'étais sûr qu'il venait me parler à propos de la mission qu'on venait juste de compléter, le contrôle. Contrat suivant. Plusieurs façons de plumer le canard. De plumer le canard, aïe. Parle-moi des noms de... peu importe. On s'est déjà fait... voir alors... Sniper time! Déjà un de partir. Ok! Oh, approche! Bye bye! On a amélioré notre sniper, alors il est encore plus performant. Non, mais sortez! Pour ça! Ils ont plusieurs bons points, puis c'est quand même. Headshot. Oui, bien ça. T'attends. Bye bye. Un petit balle au montage. Wow! C'est toi! Pensez à lui faire son frais, ça n'a pas marché. Un autre de parti. On a pris vraiment de l'assurance quand on quelques jours à Cyberpunk, si vous voyez, plus stressant tout arrive à là, élimine tout le monde. Parfois ça fait chier les fixeurs, mais moi ça me dérange pas. Je dis là, ça aurait pu être discret, on s'en sac pas mal. L'important c'est que la mission c'est quand même fait puis que. C'est arrivé au même résultat. Parce que là, je fonce dans le tas, vous éliminez les derniers avec mon katana. Monte-toi en face, t'es où? Viens ici. Oui, come on. Je savais que t'es là. Un autre qui en a perdu la tête.
C'est comme ça que ça se termine. On a éliminé tout le monde car la petite arrête. Il ne reste plus qu'à... On va accéder au fourgon. Par l'ordinateur central. Mais il faut que je trouve l'ordinateur avant. Ensuite, je crois qu'il faut qu'on voit le fourgon et qu'on l'amène à un endroit spécifique. Ah ben, là, tout est là, j'y ramasse toujours. Ben, quand je les roule, je les vois pas, là, ça. Ok. Ah, là, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est juste la caméra. On va quand même la désactiver. Comme ça, on va arrêter de nous faire chier. Il y a personne pour appeler des renforts, par exemple. Il y a au moins ça. Dans la mission, plusieurs façons de plumer un canard. Waouh! Oh, ils ont laissé un enfant mettre le nom de cette mission-là. Un peu d'argent. Là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Mise à jour de la mission. Là, on va pouvoir voler le fourgon et l'emmener en son réel propriétaire. Ou c'est juste un vol que nous, on a fait partie parce que... On a fait affaire à nous parce qu'on était le meilleur. C'est le deuxième contrat de l'épisode qu'il faut qu'on on vole un fourgon. Je vais essayer de pas trop l'endommager pour l'emmener. Bon ben. On est clear en allant jusqu'à la destination finale. Ensuite, on va passer à un autre contrat. Comme vous voyez, je fais attention. Je ne veux pas trop l'abîmer. Après tout, qu'est-ce qu'on a fait et comment on a réussi la mission facilement, ça serait trop calme, tu sais, ferrer la mission à cause que le camion explose. Surtout quand on n'est même pas à 200 mètres. Ok. Là, il y a une bande de connards ici. C'est quoi vous faites, man? Peut-être que ça avec vous autres. Bon, je pense, lancez-vous. Fais-moi ta gueule. Ok. Là, on va pouvoir cabane. On va se débarrasser des autres. Parce que sans ça, on pourra pas terminer la mission. Là, je pense qu'ils vont avoir. Regretté. Ils vont regretter un peu d'avoir voulu nous faire face. Ouais, come on. Go, go, go! Attends. T'es où, man? Ben, encore une fois, on fait le travail des policiers. Tiens, trois de partie. T'en veux tout le monde? Tiens, t'as voulu me pêcher, t'as perdu la tête. Là, on va pouvoir retourner gentiment dans le fourgon et l'emmener une couple de mètres plus loin. Pour au moins compléter ce petit contrat. On arrive, on va juste rester à rentrer ça dans le garage, c'est un autre contrat terminé. Cette fois-ci, il n'y a personne qui nous attend, par exemple. Tant qu'à moi, c'est juste... Cette fois, c'était pour Regina Jones. T'as mené ça de main de maître. Chapeau. 20 sur 20. Le contrat est clos. Le contrat est clos.
Contrat suivant. Liberté de la presse. Une autre émission pour Regina Jones. Cette fois-ci, jusqu'à présent, de fait, dans cet épisode, on a 3 contrats pour le Padre. Et ça, c'est la 2e pour Regina. Fouiller un peu, juste faire sûr que... Parce qu'il y a l'air d'avoir plusieurs choses qu'on peut ramasser, qu'on va pouvoir faire peut-être des matériaux précieux pour nos armes, armures et toute la patente. Le champ d'une grenade va user la cuisse. Et moi, nos talents de pirateur. Piratage, pirateur. C'est pas un feu, on s'en va allumer. Oh shit! Ouais. On aurait pu se faire plomber le cul là. On va le désactiver. Ok. Je suis sûr qu'il n'y a pas de bombe parce que juste seulement une, si on tombe dedans, on est fait. On était à peine sortis des soins intensifs qui sont débarqués avec leur caméra pour faire des images pour la corpo. Je capte. Ok, je pense que. Je sais pas si on peut ramasser le fusil de ça. Hein. Non, on serait vraiment grillé de gun. Hein. Ah ouais! Oh my god! Je plains Sia qui va venir essayer de me faire chier. Petit éclat. Ok, ici on a encore des bombes à détection laser. Il y a une autre tourelle qu'on a désactivée aussitôt. Et après, ils ont remballé leur caméra et ils vous ont oublié. Exactement. Et vous savez quoi? Les implants, avoir le bon point. Il a fallu qu'on les rende. Ils les ont remplacés par des saloperies de première génération. C'est dit qu'on l'avouait, hein. D'important que je dois faire ici. Ça n'a pas de l'air. Ensuite, on va pouvoir aller directement à notre objectif principal qui se trouve là-haut. Oh fuck it, c'est parti. Changer pour mon katana, je crois. C'est un corpo. On a trouvé Max. Où je tire. Je suis pas une saloperie de costard. Je m'appelle V. C'est Regina qui m'envoie. Ouais, c'est Regina, man. Calme-toi un peu, respire un peu. Baisse ton gun. Dites-lui d'aller se faire foutre. Il y a pas une bonne relation entre les deux. Chargé. Je crois que Regina aussi, elle, était journaliste. Avant d'être un fixeur renommé. Il est à charger. Pourquoi vous menacez de vous suicider? J'ai cru que vous étiez un corpo, envoyé pour me faire taire. Vous seriez mort quand même. Peut-être, mais ça aurait été mon choix. Ces ordures contrôlent tout. Mais moi, je serais le seul à décider de ma mort. Ouais, comme un ça bon soldat, aussi, mais... Ça aussi, dire à Regina. Je vais pas baisser mon froc comme elle. J'ai entendu votre interview en montant. J'ai commencé à diffuser dès que je vous ai vu sur l'écran. J'ai pas terminé, en tout cas pas comme je voulais.
Mais au moins, les gens savent la vérité. Ouais, y a ça, par exemple. Y a un contrat sur votre tête. Vous êtes déjà sûrement au courant. Ouais. Ouais, je m'en fous un peu, mais Regina veut vous donner un coup de main. Me donner un coup de main? C'est elle qui a besoin d'aide. Là, je commence c'était à... C'était la meilleure journaliste que je connaissais. C'était mon mentor, putain. Et maintenant, c'est plus qu'une vendue. Mais moi, on m'achètera pas. Jamais. C'est pas une vendue, man. C'était pas un vendu. J'ai pas toute la journée. Ça ferait bien sur votre tombe. C'est toujours mieux que saloperie de vendu. Vous détestez Regina à ce point? C'est de vous que je parlais. Oh! Et ça, ça vous dérange pas? Ben non, parce que je suis pas un vendu. Relations publiques. Tiens, on m'a engagé pour un contrat, c'est ce que je fais. C'était différent avant. Putain, la parole des médias, ça comptait. On guettait tous les coups tordus de ces fils de pute. Personne n'en a rien à foutre, mais... Et maintenant, on peut prouver qu'Arasaka s'est mis Holt dans la poche, et tout le monde s'en fout. Tu veux que je te dise? Je peux vous mettre en contact avec des nomades. Rejoignez-les, restez avec eux le temps que ça se tasse. Faites une pause. Faire une pause? Pour fuir mes responsabilités? Bah, c'est désolé, mieux fuir un peu. C'est vraiment pas mon que style. De... Fait tuer, Quel intérêt de parler des vétérans, alors? Si tout le monde s'en contrefout. Je veux que les gens s'interrogent. Qu'ils posent des questions. Exactement comme vous, là. Peut-être que ce malaise entraînera une dissidence. Qui sait? Je suis convaincu que ça vaut le coup d'essayer. Ben, moi, j'en suis pas convaincu. Allez, on y va. Vraiment, franchement. Si vous mourrez ici comme un pommard, ça changera rien du tout. Ah, c'est ça. Fuir changera rien non plus. Je me passerai de votre aide. Tout ça parce que vous méprisez Regina? Vous avez un truc à lui prouver? Vous comprenez que dalle. Je comprends. Oh, commencez à me saouler. Passe, man. On y va. J'irai nulle part. Alors je vous y obligerai. Ah, bonne chance. Tu ne connais pas encore. Vous avez le goût de la vérité, hein? Si vous voulez savoir qui est Regina aujourd'hui, pourquoi elle se bat vraiment, allez la voir. Pour elle au moins, ça compterait beaucoup. Et je suis dit de savoir qui est encore en vie, par exemple, ça et tout, ça compterait beaucoup. Je veux bien lui parler, mais c'est tout. C'est tout ce que je demande. Ok, bon, moi, je dois juste télécharger Max quelques trucs. À l'extérieur. Faites ce que vous avez à faire. Bon, fouillez un peu en attendant. Oh, t'es-tu prêt, man? Ouais, je pense que oui. Bon, en plus, il y a déjà une voiture qui t'attend. Dehors, alors... juste embarquer, puis ils vont t'apporter un lieu sûr. Puis nous, on nous a dit, on va pouvoir compléter notre contrat. On est... Tu sais, c'est gagnant-gagnant. Me suis-tu, man? Oh, il s'en vient. Accroupi comme un câble, mais il s'en vient. Yo, man, tu me parles-tu? Non? Un chauffeur? Mais ce sera quoi après? Du champagne? Des cigares synthés du marché noir? Pas de temps à perdre. On y va. Bonne chance, Max. Hey, vous aussi. T'embarques-tu dans le véhicule ou... Et nous aussi, pour compléter la mission, faut qu'on quitte la zone. Merci pour ton aide. Je suis contente que t'aies réussi à convaincre cette tête de mule. Maintenant, à mon tour d'avoir une discussion sérieuse avec lui. Contrat bouclé. On m'a fait plaisir, Regina, un autre contrat et un fixeur extrêmement content, je pense. Ça me fait plaisir, ben, c'était notre job. Contrat suivant!
Ben, avant, on va aller au point de dépôt. Pour obtenir les récompenses et closer le contrat. Là, on passe au dernier contrat de cet épisode. Rite de passage. Je ne sais pas, on rentre juste, j'ai-tu le droit ou que c'est vraiment un endroit qui m'est est interdit. Je vais essayer. Si que ça vient en rouge, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit. Ben, je pense qu'on n'aurait pas le droit. Par ici! Bon, on passe à l'action. Je l'ai blessé! Écoute, t'as trop d'assurance. On a coupé tout de suite. Pas de bras, pas de la tête. Quoi que tu tiens? Bon, il y en a deux autres ici. Terminé pour toi avec. Who's next? Ah, ben, non, lâche-moi. Ça s'est calmé, là, on les a toutes eues. Là, il faut juste que aller à la salle des serveurs. Ben, je sais qu'il en reste encore, par exemple. Finalement. Ah! Pourquoi que ça vient de bord? Pas grave, il a perdu la tête, lui. Ah, t'es là! Comment est-ce qu'on court de l'autre qui perd de leur tête? Hein? Ok. Oh, on a plusieurs éclats ici. C'est sûr que c'est pas ça qu'on cherche, ça, par exemple. Là, je pense qu'on a trouvé la salle des serveurs. Puis je pensais qu'il restait un connard qu'on n'avait pas tué, mais je crois que c'est juste une caméra. On va voler l'enregistrement. Ensuite, on va juste sacrer le cadet là. Il nous reste plus qu'à s'échapper. C'est tout pour l'épisode 31 de Cyberpunk. J'espère que vous avez apprécié encore une fois ce petit moment qu'on a passé ensemble. Si oui, le petit like ou le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis passez une excellente soirée, les amis. À la prochaine. Sky with option.